Je m'appelle Cédric Melnikov. Donc, je travaille chez Civilga depuis un peu plus de 2 ans. J'ai suivi une formation en tant qu'architecte paysagiste. J'ai exercé ce métier durant 3 ans en tant qu'indépendant. Ce qui m'intéressait le plus dans le métier étant le dessin technique, j'ai décidé de postuler chez Civilga. Le rôle du service au quotidien est de mettre à jour les plans et la base de données techniques du réseau de gaz et d'électricité sur Bruxelles afin d'éviter tout risque d'accident sur le réseau. On travaille également en étroite collaboration avec le bureau d'études et les project managers afin de réaliser des plans projets et des coupes de mobilité. Donc les coupes de mobilité, ça va montrer comment on gère la circulation des véhicules et des piétons pendant les travaux. Et à la demande des services internes, on leur transmet des plans en format tablette ou papier. Ce qui me plaît dans mon job, c'est la responsabilité qui m'est confiée. Sans le bureau de dessin, les services techniques ne pourraient pas réaliser les travaux de manière optimale. On est également aussi amené à réaliser des relevés topographiques à l'extérieur pour vérifier l'exactitude des plans. Et une fois par mois, on a une réunion d'équipe où l'on discute de ce qui s'est passé le mois précédent et où on aborde les projets à venir. En ce moment, je travaille sur le projet de fibre optique qui consiste à retranscrire sur plan un réseau de télécommunications propre à Civilga. Et ce qui est challengeant au quotidien, c'est de continuer à apprendre et à progresser dans le domaine du gaz et de l'électricité. Je me sens bien chez Civilga car il y a une bonne ambiance au sein du service. On a aussi la chance de travailler avec des programmes à la pointe de la technologie. Et le travail chez Civilga me permet aussi d'avoir une évolution de carrière.